Van Cerkelbrugge Racing Genk krijgt u een verslag. De analisten met dienst zijn Jan Wouters en Bob Peters. Straks na het late journaal. M'a fait de l'effet en lisant le scénario, vraiment en le fermant, je me suis dit il faut aller dans cette aventure parce que c'est un film à part. Eh bien on vous en remercie d'avoir accepté cette aventure. Merci. Par moins 30 degrés. Par moins 30. Romaine, merci beaucoup. Merci. Avant de nous quitter, je vous rappelle deux des informations que nous avons développées dans ce 19-20. Le virus de la grippe porcine. L'épidémie s'étend, l'état d'urgence sanitaire a été déclaré ce soir aux États-Unis. Lors d'une conférence de presse cet après-midi, la ministre de la Santé, Roselyne Bachelot, a appelé à la vigilance tout en demandant aux Français de ne pas s'alarmer. En France, ce soir, un cas suspect est signalé. Et puis ce nouveau record du monde battu lors de la dernière journée des championnats de France de natation à Montpellier. Un record signé cette fois-ci Frédéric Bousquet aux 50 mètres nage libre avec la fameuse combinaison. Dernier cri. Votre dernier rendez-vous avec l'info, le soir 3, présenté à 22h15 par l'ami Francis Letellier. Tout de suite, la météo de Florence Klein. Passez une excellente soirée. Très bon dimanche soir. Après la météo et tout le sport, il n'y en a pas de plus brave. Zorro sur France 3. Fixe Odempro Idénature et son arôme aux extraits naturels de camomille et de propolis. Sa formule vous aide à garder des gencives saines. Fixe Odempro Idénature. Fixe Odempro et la via du mordant. Découvrez aussi la fraîcheur longue durée des comprimés nettoyants Fixe Odempro. Nasdaq Nikkei, cours de l'euro. C'est pas facile l'épargne, hein. Vous êtes pas compliqué, les gens de la ville, hein. Mon assurance vie, elle est garantie, simple, pas bloqué, brin de Portugal. Les nouveaux marchés? Ah non, le marché ici, il y en a qu'un vieux, puis il est couvert. Couvert? À 100%? Je vous parle de l'épargne MMA. 4,40% garantie en 2009 pour tout versement avant juin 2009. 4,40% garantie jusqu'à fin 2009. L'assurance vie MMA, ça c'est de l'épargne. Non mais dis donc! Couchez, Nasdaq! Zéro tracas. MMA, c'est le bonheur assuré. MMA. Alors que la Smart 61 chevaux est proposée au prix exceptionnel de 8 900 €, le tapir à longues dents préfère s'adonner à l'aquagym pour avoir moins l'air d'une saucisse. Si vous n'êtes pas un tapir à longues dents, alors la Smart 61 chevaux au prix exceptionnel de 8 900 € est faite pour vous. Activia 0%, c'est 0% de matière grasse, 0% de sucre ajouté et tous les bienfaits d'Activia. Et avec son goût délicieux, c'est 100% plaisir. En ce moment, votre achat d'Activia 0% est 100% remboursé. Profitez-en. Mais si, je te dis que c'est un peu. Nouvelle Renault Clio, équipée d'un GPS Carmina TomTom. La navigation intégrée la moins chère du marché. La première chose que j'ai faite, je me suis donné une claque. Ce mercredi, jackpot loto exceptionnel, 3 millions s'ajoutent au jackpot en cours. Je crois qu'une petite toilette s'impose. Éléphant bleu, pour un lavage impeccable et en douceur. Éléphant bleu, plus pro, plus propre. Assurance vol, incluse, deux numéros illimités tous opérateurs 7 jours sur 7, inclus, dépannage en 48 heures partout en France, inclus, un forfait CIC mobile, c'est sans mauvaise surprise. CIC, parce que le monde bouge. Intérieur ouvert sur l'extérieur. Citroën C4 Picasso, le Visiospace. Jusqu'au 30 avril, profitez de 3 500 € d'avantages clients sur Citroën C4 Picasso Collection. Attends, crée la collection Ushuaïa.
Je change de décor en un clic. Adriana, t'es prête? Habiller mon regard, c'est essentiel. Atoll, les opticiens. La tour Eiffel a 120 ans, déracine des Dézels s'installe au cœur de cet édifice de légende. Nous vous raconterons la fabuleuse épopée de sa construction. Avec ses 300 mètres, elle est alors la grande vedette de l'exposition universelle de 1889. Pour son anniversaire, la Dame de Fer se refait une beauté. Ascenseur, restaurant, peinture, nous vous dévoilerons les coulisses de cette opération spectaculaire. Vous découvrirez enfin d'autres ouvrages signés Gustave Eiffel, comme le viaduc de Garabit en Auvergne, ou la statue de la Liberté à New York, dans laquelle nous avons pu exceptionnellement pénétrer. Véracines et Dézels fête les 120 ans de la Tour Eiffel, c'est mercredi à 20h35 sur France 3. Sur France Télévisions ce soir. France 2, 23e nuit des Molières en direct du Théâtre de Paris. France 3, enquête entre grandeur et décadence pour l'inspecteur Lewis. France 4, MI5, 3 épisodes au cœur des services secrets de Sa Majesté. France 5, SOS Veto, le quotidien des urgentistes vétérinaires. France O, le Parlement du Cameroun, la démocratie en marche. Ce soir sur France Télévisions, vous avez tous les choix. Prendre l'air sans prendre la pluie. Suivez la météo sur France 3 avec Monsieur Bricolage. Bonsoir, il y a eu de très fortes pluies sur les régions méditerranéennes. Il est tombé l'équivalent de un mois de précipitations sur le sud du Massif central notamment. Et demain, cette perturbation va partir vers l'est. On va la retrouver encore sur le sud-est et sur la Corse avec des pluies fortes, orageuses. Et nous aurons des chutes de neige sur les Alpes. Attention, il y a un fort risque d'avalanche sur le sud des Alpes et également sur les Pyrénées centrales. À l'arrière de la perturbation, on aura un ciel de traîne avec des averses. Et puis, sur l'ouest, une nouvelle perturbation arrivera. Les pluies vont se renforcer sur la Bretagne, puis on aura du vent sur les régions méditerranéennes. Petite amélioration. Alors, en ce qui concerne l'après-midi, on va toujours retrouver ces pluies sur le quart sud-est et sur la Corse. Donc, très fortes pluies prévues avec de forts cumuls. Et puis ensuite, un dégradé avec la perturbation donc, suivante qui sera sur les régions du nord-ouest. À l'avant, déjà quelques pluies. Peut-être quelques éclaircies sur cette zone, mais à l'avant, vous le voyez, encore beaucoup, beaucoup de nuages. Du vent sur les régions méditerranéennes jusqu'à la Provence et ça devrait dégager le ciel. En ce qui concerne les températures, demain matin, baisse du thermomètre avec des températures qui sont à peu près dans les normales saisonnières, comprises entre 5 et 10 degrés sur la moitié nord. On aura entre 4 et 13 degrés sur la moitié sud. En ce qui concerne les températures de l'après-midi, alors ça baisse dans le nord-est, qui avait encore des températures supérieures à 20 degrés aujourd'hui. Eh bien, tout cela, c'est terminé pour demain, puisque la perturbation aura envahi l'ensemble du pays. Nous aurons des températures comprises entre 11 et 19 degrés. Alors, pour la suite de la semaine, eh bien, beaucoup d'agitation avec un défilé de perturbations. Mardi, on va retrouver encore des averses très nombreuses, du grésil, des coups de tonnerre, des averses localement fortes, de la neige sur les Pyrénées, tout ça sur l'ouest. À l'avant, des averses également. Mercredi, arrivée d'une nouvelle perturbation avec toujours pas mal d'averses à l'avant et du vent très fort. Et puis, on va voir que pour la suite, et eh bien ça devrait s'arranger enfin pour le week-end du 1er mai avec une hausse du thermomètre. Demain, nous fêterons les Idas. Bonsoir à tous. C'était la météo de France 3 avec Monsieur Bricolage. Le sport avec Somfy. Somfy. Moteur, automatisme et alarme pour l'habitat. Somfy. Tout le sport avec Côté Match, jeu de pronostic de la Française des Jeux. Il est l'homme de la Pampa, 5e victoire d'affilée en Argentine, 52e en tout. Sébastien Loeb affole les statistiques, dégoûte ses adversaires, il domine le championnat du monde des rallyes. Bravo à lui!
Bonsoir, eux vont bientôt marcher sur l'eau. Nouveau record du monde au championnat de France de natation à Montpellier. Bousquet a trouvé la bonne combinaison, Benoît Durand. La combine couleur hémoglobine pour du 100%. Après le titre sur 100 mètres, vient celui sur 50. Dans sa nouvelle combinaison Jacked, Frédéric Bousquet décroche le gros lot. Victoire et record du monde, 20 secondes 94. Premier homme de l'histoire sous les 21 secondes. Alain Bernard est deuxième, record du monde battu aussi en 21-23. C'est peut-être sans doute le plus beau jour de ma vie. Je suis là, je fais un record du monde, je gagne les 50. Je me qualifie pour les championnats du monde. Quasiment toute ma famille est là dans les gradins. Et tous les gens que j'aime sont ici. Comme Laure Manaudou, sa fiancée, non, elle ne regrette rien, surtout pas d'être venue. Lui a plus de regrets. Image furtive d'un nageur frustré. À droite de l'écran, Amaury Levaux retire sa médaille de bronze dès sa descente du podium. Il reste le seul à nager avec une combinaison homologuée. La 33e journée de Ligue 1, certaines équipes ce soir tous et ont du mal à dire 33 sur des terrains détrempés. Daniel Leclerc. La pluie est un élément qui a souvent joué des tours niçois au stade du Ray. Mais Saint-Etienne, plus mauvaise équipe de Ligue 1 à l'extérieur, prend rapidement l'eau et Ben Saada passe à l'abordage. Bien servi par Rémy, le Tunisien signe son premier but de la saison. Ben Saada, tout près du doublé, son tir trouve le montant. Comble d'infortune juste avant la pause et sur la tête de Vincent Eugnon, ancien vert, Tavlaridis marque contre son camp. Perrin est dépité, Saint-Etienne finit même par couler avec un troisième but niçois signé Eric Moulungi. Et ce n'est pas le but d'Ilan à la dernière seconde qui change la donne. Une défaite 3-1, 19e défaite de la saison pour des Verts relégables dont l'avenir est dans le flou. À Toulouse, le Merlu ne craint pas la pluie. Et à l'image de Gamero, Lorient a démontré sur le terrain qu'il avait le pied marin. Tout s'est joué sur la fin. Les hommes de Gourcuff sont récompensés de leurs efforts avec un joli but d'André Ayou. Lorient mène 1-0. Battu en championnat, éliminé en Coupe de France, Toulouse doit son salut sur une bévue du gardien Capone et Mauro Cheto arrache l'égalisation à but partout. Mauvaise opération pour un TFC qui tire la langue. En gagnant à l'extérieur, Monaco s'est rassuré et Grenoble s'est sauvé. En revanche, Caen et Nantes battus sont dans l'inquiétude, tout comme Sochaux accroché chez lui par Valenciennes. La roue tourne, toujours dans le même sens. À Bahreïn, la traversée du désert sourit à Jenson Button, encore lui. Troisième victoire en quatre Grands Prix cette saison pour le Britannique. Le leader du championnat devance Vettel, Trulli et Hamilton. Le Français Sébastien Bourdais termine lui à la 13e place. Le planté de drapeau de Lorenzo, l'Espagnol décroche la lune au Japon. Victoire en Grand Prix et première place aussi au classement général. Sur le circuit japonais, Jorge Lorenzo devance Rossi, Pedrosa et Stoner. Randy Depugnet termine en 11e position. Victoire en solitaire d'Andy Schleck dans la doyenne des classiques Liège-Bastogne-Liège. Le Luxembourgeois a pris les devants à 18 km de l'arrivée. Il s'impose avec plus d'une minute d'avance sur l'Espagnol Rodriguez. Le premier Français, Benoît Vaugrenard, termine 8e. Tony Parker, seul au monde avec son ballon. Le Français a beau s'arracher en marquant 43 points cette nuit. Les Spurs s'inclinent 99-90 face à Dallas. Mené 3 victoires à 1 par les Mavericks, San Antonio est à une défaite de l'élimination en play-off. Le rugby parisien aura 2 représentants en top 14 la saison prochaine. Le Racing Métro 92 est devenu cet après-midi champion de France de Pro D2 grâce à sa victoire 33-12 sur le terrain de Bègles-Bordeaux. Et en barrage de Fed Cup, la France et la Slovaquie sont à 2 victoires partout. Il faut donc jouer en ce moment le double décisif. Vous le voyez, face à la paire slovaque, Deschi et Mauresmo sont dominés 4-2 dans le premier set. Résultat ce soir après soir 3. Et match à suivre sur France 4. Tout de suite, Zorro, à tout à l'heure. 12 soirées. C'était tout le sport avec Somfy. Moteur, automatisme et alarme pour l'habitat. Somfy. C'était tout le sport avec Côté Match, jeu de pronostic de la Française des Jeux. Contre toutes les injustices, il est le renard qui fait la loi. Zorro, tout de suite sur France 3. Je reprendrai pas maman, je te dis. Tu vas faire caissière toute ta vie ? Je ferai autre chose.
Juste avec ton bac? Tu vas faire quoi? Tu l'as pas ton bac, toi. J'ai fait les cours du soir, je te rappelle. Les autres, c'est clochard, dealer ou pute qui finissent. Et bah voilà, je ferai pute. Une fille, un père, deux Césars. Mélanie Laurent et Conmerad, mardi sur France 3. Ce qui fait que je ne vois ni le jour ni...